5 février, on s'assoit au milieu du tapis en tailleur. Un petit temps pour la respire. Ok, donc j'attrape une jambe. Je vais caler le pied à l'intérieur du coude opposé. Et puis, j'enlace comme ça le bas de jambe. Comme un bébé, je berce cette jambe dans mes bras. Grand inspire. Grand expire. Je me grandis, hein, bien sûr. Je pousse le sol sous les fesses. Puis, on allonge l'autre jambe. Alors, je viens passer le bras en dessous pour passer mon épaule sous mon genou. Hop, je cale le genou comme ça sur l'épaule et le bras, donc le bras de la jambe, le même côté de la jambe, vient dans le dos. Hop, et je peux lâcher mon pied pour attraper les deux mains dans le dos. Je pose les deux fesses au sol et là je me grandis. Pourquoi pas pointer les pieds? Grand inspire, grand expire. Puis ce pied, je le pose au sol. L'autre jambe, le pied flex. Je vais pouvoir lâcher les mains. Hop. Et le bras qui était sous le genou vient passer par cette fois-ci au-dessus. Enfin, le tour au-dessus. Et puis toujours les mains dans le dos. J'attrape les mains et je relâche le buste vers l'avant. Grand inspire. Grand expire. On vide bien le ventre. Inspire, on déroule, on lâche les mains. Expire. On relâche la jambe qui a travaillé. On va s'occuper de l'autre. Donc j'attrape le pied et je le cale dans le creux du coude. Je prends comme un bébé, je grandis. Inspire. Expire. On allonge la jambe, le talon, le pied flex. On vient passer l'épaule sous le genou. Hop, le bras qui fait le tour de la cuisse. On pose les deux fesses. On attrape les deux mains dans le dos. On se grandit. Grand inspire. Grand expire. On vient poser le pied au sol, on défait le bras qui était en dessous pour cette fois-ci faire le tour au-dessus, par-dessus. On attrape les mains dans le dos, le pied de la jambe tendue flex et on relâche. Grand inspire, grand expire. On déroule, on peut lâcher les mains, défaire les bras. On se grandit, inspire, donc les deux jambes tendues, expire, attrape peut-être les orteils et viens relâcher tout le buste. Inspire, on redresse,